Une des caractéristiques des pièces qui sont présentes dans ma collection, c'est une extrême fluidité de la peinture. Et Pierre Moignard, justement, entre parfaitement dans cette recherche d'une peinture très diluée, très expressive en même temps. J'ai rencontré Pierre Moignard à son retour des États-Unis. Il a séjourné pendant quelques mois à côté de Los Angeles, à proximité d'une plage. Une plage qui semble avoir eu beaucoup d'importance pour la jeunesse de son travail actuel, une plage sur laquelle se tiennent des homeless, des vétérans de l'armée américaine qui sont abandonnés comme des clochards. Voilà, on pourrait me présenter comme Pierre Moignard, comme artiste, comme chercheur, comme artiste-chercheur. Mais le fait d'être de plus en plus artiste fait qu'on est nécessairement de moins en moins peintre. C'est un paradoxe, mais qui est intéressant justement du côté de chez les peintres. C'est-à-dire que l'objet tableau m'intéresse exclusivement à raison que l'image ait un intérêt pour moi. C'est-à-dire que l'objet tableau en lui-même ne m'intéresse pas, pas plus que ça, s'il ne véhicule pas les qualités dont on parlait. Donc je ne suis pas à la recherche de la peinture. Enfin, c'est pas le... Il y a une opération, il y a une excitation que j'ai en peinture pour obtenir l'image dont je parlais au travers la manipulation de corps vivants que je peux créer quasiment instantanément devant mes yeux. Enfin, qui fait que bon voilà que ce rapport doit encore exister. Moi, ce qui m'intéresse chez Pierre, c'est que c'est le trouble. Suzanne Paget avait dit à propos de Derain, les périodes intéressantes de Derain, que c'était le peintre du trouble moderne, pour plein de raisons qu'on va pas évoquer là. Mais Pierre aussi, le trouble moderne, c'est ça. C'est la distance qu'il met entre ce qu'il ressent et ce qu'il exprime. Et je trouve que cette distance-là qui est parfois difficile à comprendre. Pierre est quelqu'un qui parle lentement, à mots pesés, choisis, qui parfois a envie de ravaler ses mots, manifestement. Sa peinture, il l'exprime parce qu'il la réfléchit, il la pense longtemps. Et après, la forme, peut-être, il est extrêmement talentueux, donc il peut la sortir sous une forme très chargée ou très diluée, sous forme de dessin, demain sous forme de vidéo. Ça n'est pas une importance extrême. Parce que son monde est là, et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Et là, depuis 2000, donc on arrive aux périodes contemporaines, il a trouvé comme cadre formel ces plages de Los Angeles, mais ça, c'est à la limite, c'est juste un cadre, parce que ça peut être une plage, mais un désert, et demain, peut-être que tout ça partira petit à petit. Et il a mis des corps informes, des espèces de patates de couleurs sur du sable, et c'est des êtres humains. Et ça, donc, la première que j'ai vue, j'ai eu un grand choc, c'était extrêmement minimaliste. On retrouvait les périodes de Pierre où il mettait moins de matière, et où il y avait des traces de pas. Et j'ai tout de suite vu, moi je lui dis, mais tu es en train de peindre l'absence. Parce qu'il y a aussi, bon, c'est-à-dire que dans les homeless, c'est des représentations de corps vivants, et en même temps, rien ne les désigne par l'apparence de corps, en fait. Tout d'ailleurs, souvent, l'ubiquité de lecture qu'ont les gens voyant des rochers ou voyant des choses qui sont pas forcément afférentes à un corps. Ces formes-là, elles créent l'image première à partir de laquelle peut-être vont se développer effectivement des narrations plus complexes, des fictions plus élaborées. Alors pour moi, c'est vraiment le corps, là, c'est une façon de figurer le corps, une des possibilités de l'incarner, la seule là, que j'avais. Et d'un coup, j'avais effectivement une sorte d'antiforme qui était paradoxalement beaucoup plus vivante, qui était beaucoup plus reliante aux éléments du monde, aux éléments de la scène que je voulais exploiter. Enfin, les ânes, effectivement, figurés sur les tableaux sont la prolongation des autoreprésentations, des petits tableaux que j'ai faits entre 90 et 2000,
Je dirais que l'âne serait une étape, et ce serait l'étape suivante, où on anime, où on anime ses corps. Et quand on regarde les grandes toiles de Pierre, souvent, il raconte comme ça des histoires, des petites histoires dans l'histoire, des incrustations, tout comme on fait à la télé quand on zappe ou quand on regarde 4 ou 5 écrans en même temps. Donc on peut lui reprocher une espèce de maniérisme dans les couleurs, ce qui, à mon avis, est totalement faux, parce que ça renforce d'autant plus le propos tragique de ce qu'il raconte.